De la jeunesse qui s'est manifestée aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'ensemble des stands. Vraiment, c'est l'occasion aussi de remercier nos partenaires, l'ambassade de France à Libreville, qui nous accompagne dans cette formidable aventure. On a vraiment près de 600 gamins dans l'ensemble des disciplines judo, taekwondo, athlétisme, roller, pétanque. C'est pour nous vraiment un gros motif de satisfaction et un moyen d'espérer pour l'avenir, parce que ce qu'on fait là, c'est pas un one shot, ça va pas s'arrêter aujourd'hui, ça va se poursuivre, et je suis persuadé que la jeunesse n'attend que ça. C'est aussi pour nous l'occasion de lancer le compte à rebours vers les Jeux Olympiques. Vous savez que nous sommes quasiment à un an des Jeux Olympiques de Paris, et c'est l'occasion d'expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais c'est quoi l'olympisme. C'est quoi cette formidable fête que nous allons vivre dans pratiquement un an à Paris? Et c'est bien que le train soit lancé dès aujourd'hui. Bien sûr, Paris 2024, un an, Paris sera la capitale du sport mondial. Et c'est l'occasion pour nous de relancer toute une diplomatie sportive en nous appuyant sur les partenaires clés qui portent les mêmes valeurs que nous. Et bien sûr, le Comité national olympique gabonais est l'acteur central pour préparer les athlètes gabonais à participer à cette grande compétition qui sera une grande fête du sport. L'ambassade de France soutient le Comité national olympique dans l'organisation de cette journée et puis plus largement sur des séries d'activités que nous allons conduire ensemble et qui nous guideront jusqu'à Paris 2024. Et nous serons à côté des athlètes gabonais pour rayonner et faire rayonner le sport et les valeurs sportives à Paris en 2024. Comme activité aujourd'hui, ce qui a été réalisé pour le cadre du judo, c'est qu'il y a eu des animations. Dans le cadre de ces animations, nous avons reçu une tranche d'âge allant de 5 ans et plus. On avait des petites filles, des petits garçons et certains adolescents qui sont venus étoffer l'effectif du judo dans le cadre de cette journée olympique. Et pour l'ensemble, on puisse célébrer l'olympisme. Ça fait plaisir, parce qu'il y a quelques années, on ne voyait pas le roller de cette façon. On n'avait pas cette possibilité là de faire partie des ateliers de journée olympique. Et là, je pense que le roller, il fait partie maintenant des disciplines. Donc, ça fait plaisir de pouvoir représenter cette discipline au Gabon aussi, avec les enfants, les adultes, les adolescents et tous ceux qui pratiquent. Et on a vu beaucoup d'engouement au niveau de la pétanque. On a vu des femmes qui sont venues se faire initier, des hommes, tout le monde voulait jouer à la pétanque. Aujourd'hui, la pétanque participe à l'éclosion intellectuelle, non seulement des enfants, mais des grands du côté sanitaire. Parce que la pétanque participe à l'amélioration du rythme cardiovasculaire. Donc j'invite tout le monde à jouer simplement à la pétanque et on est heureux d'être là. Je suis venu profiter de la journée olympique avec mes frères et tout. Donc pour s'amuser sur une activité sportive qui est le football. Je trouve cette journée vraiment, pour moi je trouve ça extraordinaire parce que être ici avec mes amis, de profiter de notre passion qui est le football, vraiment c'est, comment dire, extraordinaire pour nous.